lecture ce matin se trouve dans Actes, Actes chapitre 5 et le verset 42. Actes 5, 42. Si vous voulez vous tenir debout pour la lecture de cette parole. Actes 5, 42. Où il est dit, « Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. » Seigneur, bénis ta parole. Bénis, Seigneur, le vase que tu vas utiliser. Bénis le peuple qui va recevoir cette parole. Par le Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je voudrais, à l'orée de cette année, parler ou reprendre un message. Mais je me demande combien se souviennent de ce message-là. Je voulais parler de la croissance. Qu'est-ce que c'est que la croissance? Quelqu'un l'a défini comme étant une augmentation en taille, une différenciation dans la structure et une altération dans la forme. Il y a une différence entre le bébé qui naît et le jeune homme ou la jeune fille qu'on retrouve 18 ans plus tard, 20 ans plus tard. Il y a eu une augmentation en taille, une différenciation dans la structure et une altération dans la forme. Il y a une différence entre la semence que nous mettons à terre et l'arbre que nous allons, dont nous jouissons les fruits, peut-être 3 ans, 5 ans plus tard, ou la gerbe de mil que nous voyons pousser quelques mois plus tard. Il y a eu une augmentation en taille, une différenciation dans la structure et une altération dans la forme. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, Paul dit qu'il nous faut croître. Il nous faut croître. Et ailleurs, l'apôtre Jean dira, croissez à tous égards. De quoi est-il question? De quoi est-il question? Est-ce que c'est une croissance en salut? Certainement non. Nous ne pouvons pas être plus sauvés aujourd'hui que nous l'avons été le premier jour. Est-ce que c'est une croissance en sécurité? Non. Nous ne sommes pas plus, nous ne serons pas plus en sécurité demain que nous le sommes aujourd'hui dans le Seigneur. De quoi est-il question? Il est question d'une croissance en amour, croissance en foi, croissance en sanctification, croissance dans la ressemblance à l'image de Jésus-Christ. Dans ce domaine-là, nous avons besoin de croître. Vous allez me dire, c'est ce dont j'ai besoin. Cependant, je n'arrive pas. Quand je décide, quand j'ai la volonté de croître, mais je me rends compte que il suffit que quelqu'un me piétine le pied et ma vieille nature revient, refait surface. N'est-ce pas? Il va voir de quel bois je me chauffe. Eh bien, tu n'as pas grandi dans l'amour. Pas du tout. Parce que l'amour excuse tout. Alors que toi, tu veux te venger de tout. Et nous sommes comme, toujours à la case de part. Et on se demande qu'est-ce qui se passe. C'est comme un homme à New York. Il devait aller, il habitait sur une île, Long Island. Et donc chaque soir, à 17h, il devait descendre, prendre un bateau qui le relie à Long Island. Et un soir, il a oublié, il était vraiment pris dans ses paperasses, comme le professeur Cabet.
Et il a oublié. Et quand il s'est rendu compte, il a pris sa veste, il est descendu, il a couru, pris un taxi, il a couru, il arrive, il voit un bateau, il saute dedans, il s'assoit, il enlève sa veste, il respire, il dit, ok, j'ai failli le rater. Et le gars qui était assis à côté de lui, il dit, mon frère, ce bateau ne prend pas le large, ce bateau vient d'accoster. Et nous avons l'impression d'être dans un bateau qui vient d'arriver au lieu de prendre le bateau qui prend le large. Et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux croître dans le Seigneur? Comment je peux grandir? Comment je peux devenir l'homme selon le cœur de Dieu? Comment je peux devenir l'ami de Dieu? Comment je peux devenir le disciple que Jésus aimait? Parce qu'il y a toujours de la place dans le cœur de Dieu pour l'enfant de Dieu. Mais comment je peux le faire? Dans ce passage-là, eh bien, nous pouvons ressortir quatre éléments dans la croissance. Des éléments nécessaires dans la croissance. Parce qu'il y a quelque chose de particulier à la croissance. D'abord, elle est personnelle. Elle est personnelle. Elle est invisible. Et elle est lente. Elle est personnelle, invisible et lente. Je ne crois pas à la génération spontanée. N'est-ce pas? Madame Nikema, si vous accouchez un bébé et vous voyez ce bébé-là grandir jusqu'à devenir un homme, est-ce que vous n'allez pas fuir? C'est sûr qu'on va fuir parce qu'on va dire parce que ce serait vraiment un bon bandit. Donc la croissance est lente, elle est personnelle et elle est invisible. Mais il y a des ingrédients, il y a des éléments qui aident la croissance. Une femme qui accouche un enfant est obligée d'allaiter cet enfant-là parce que c'est le lait qui fera croître cet enfant jusqu'à un certain âge avant que la nourriture solide ne prenne la place. Et la Bible nous dit de désirer le lait de la parole de Dieu. Quatre éléments dans ce passage que nous venons de lire. Il y a d'abord donc l'élément temps. Chaque jour. Ce n'est pas une fois par semaine, comme c'est l'habitude de certains chrétiens. C'est le dimanche qu'on se souvient qu'on a une Bible. C'est le dimanche qu'on se dit, mais où se trouve cette Bible? On va la prendre. Et puis, voilà, c'est ce que le frère Sylvia a fait. On enlève un peu la poussière, on met sous le bras, on arrive à l'église et on a de la peine à trouver le passage parce qu'on n'est pas habitué à fouiller sa Bible. Surtout quand on va dans les petits prophètes, on se dit, mais où se trouve Malachi, où se trouve ceci? Parce qu'on n'est pas habitué à lire la Bible. Chaque jour. Le temps n'épargne pas ce qu'on fait sans lui. Le temps n'épargne pas ce qu'on fait sans lui. C'est tous les jours. C'est quand nous donnons du temps et que nous prenons du temps que nous allons connaître une certaine croissance. Il y a des gens, ils vont aller dans les veillées. Quand on dit veiller, ils sont là. Quand on dit, bon, prière pour tel ou tel sujet spécial, ils sont là. Mais une fois qu'ils ont quitté le lieu, ils ne font plus leur homework. Ils ne font plus leur travail à la maison. Ils ne lisent plus. Ils ne prient plus. Ah Seigneur, tu vois, je suis occupé. Bon, on se réveillera ce soir. Et puis le soir, Seigneur, tu vois que vraiment, la journée était un peu nulle là. Je suis fatigué. On se verra demain matin. Et de report en report, eh bien, on ne prie pas. De report en report, on ne lit pas la parole de Dieu. De report en report, on ne se nourrit pas
du lait spirituel. Alors, après, on est étonné. Que le Seigneur bénisse les autres. Et que les autres, ils poussent normalement. Parce que vous n'avez pas nourri la plante. Vous n'avez pas nourri la semence. La semence du salut qui est en vous, c'est vrai, c'est un acquis, mais il faut nourrir cette semence-là pour que vous passiez de l'état de chrétien à l'état de disciple. Parce que vous n'êtes pas venu au Seigneur pour rester chrétien, vous êtes venu au Seigneur pour être transformé en disciple. Pour que ceux qui vous voient disent, ces gens-là sont des chrétiens, ils sont comme Christ. Donc prenez du temps pour le Seigneur, mais aussi donnez du temps au Seigneur pour agir dans votre vie. Tous ceux qui croient rapidement, eh bien, se fanent rapidement. Il faut du temps. C'est pourquoi le Seigneur ne vous donnera pas tout en même temps. Et même, il y a des gens qui ont eu des dons spirituels, et ces dons spirituels ont été occasion de chute pour eux, parce qu'ils s'en sont enorgueillis. Parce qu'ils n'étaient pas d'abord préparés, ils n'étaient pas solides eux-mêmes. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera les choses progressivement, selon votre niveau de maturité. Il vous accordera des dons selon votre niveau de maturité. Autrement dit, vous allez être orgueilleux ou bien la bénédiction du Seigneur va vous éloigner de la présence du Seigneur. Il prendra le temps nécessaire pour travailler dans votre vie. Regardez les hommes du passé, que ce soit les héros de la Bible, ou que ce soit nos grands-parents, comme je le citais, le pasteur Pasco et tant d'autres, regardez leur vie. Le Seigneur a pris le temps de les préparer pour les grands jours. Et c'est comme ça qu'ils ont pu tenir, qu'ils ont pu travailler sans vaciller. Et nous voulons arriver rapidement, ici et maintenant. On veut commencer, même parmi les pasteurs. Il y a des gens qui veulent commencer aujourd'hui et demain, ils sont des grands pasteurs. Non, vous êtes des grands perdants. Vous êtes des grands perdants, vous n'êtes pas des grands pasteurs. Parce que la chute sera libre. Il faut que le Seigneur nous prépare. Et c'est la difficulté qui durcit notre peau. Au point que quand la tentation vient, nous allons pouvoir résister. Prendre du temps pour le Seigneur, mais donner du temps au Seigneur. Que chaque jour, nous puissions prier en disant, Seigneur, opère le changement en moi. Que chaque jour, nous puissions prier en disant, Seigneur, me voici. Quel est l'empêchement? Quel est le problème dans ma vie? Le Seigneur nous va pointer du doigt et nous permettre par l'action du Saint-Esprit d'éliminer tous les excédents pour la gloire de son nom. L'élément temple. Ensuite, il y a l'élément temple. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons. Dans le temple et dans les maisons. Tout cela pour dire que il faut qu'il y ait un lieu de rassemblement. Aujourd'hui, nous sommes dans un temple. Aux États-Unis et en Chine, eh bien, et se retrouvent dans les églises de maisons. Les églises de maison se sont développées. Mais toujours est-il que les chrétiens ont besoin de se retrouver. L'église, c'est la cale, c'est-à-dire l'assemblée des enfants d'Israël dans le désert. L'église ecclésia, c'est la photocopie de la cale. Et c'est un exemple qui nous a été donné à travers la révélation pour dire il faut qu'il y ait un lieu où le peuple de Dieu se retrouve pour adorer son Dieu. C'est pourquoi Exode 25, 8, qui est le thème de notre année, ils me feront un tabernacle et j'habiterai au milieu d'eux. Dans
l'Épître aux Hébreux, il est dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Et là, ce n'est pas n'abandonnez pas l'église locale, mais n'abandonnez pas l'habitude de vous assembler. Parce que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là que nous sommes protégés. C'est là que nous sommes nourris. C'est là que nous sommes gardés. Celui qui aime le temple, aime le Dieu du temple. Celui qui n'aime pas le temple, n'aime pas le Dieu du temple. Ça, ne nous trompons pas. Si quelqu'un n'a pas le zèle de la maison de l'Éternel, il ne peut pas avoir du zèle pour le Dieu de la maison. Ce n'est pas possible. Le zèle de ta maison me dévore. Ça, c'était l'expérience de David. Et c'était le temple où on n'avait pas facilement accès. Lui-même, il n'avait pas accès à ce temple-là, sinon à travers les sacrificateurs. Mais il était toujours au temple. Faisait le tour pour voir comment ça se passait. Parce que c'était la maison de Dieu. C'était la présence de Dieu. C'était aussi la manifestation de la puissance de Dieu. Est-ce que tu aimes la maison de l'Éternel? Si tu aimes la maison de l'Éternel, c'est un élément qui te fera grandir. Parce que quand on vient à l'église, on ne repart jamais vide. Quel que soit son état d'âme, quand on vient à l'église, ça peut être un chant, ça peut être un témoignage, ça peut être la prédication, ça peut être les moments de louange, mais on reçoit toujours quelque chose. Quand on reste à la maison, eh bien, on manque toujours de quelque chose. C'est pourquoi l'élément temple est très important dans notre croissance. Et nous avons dit des gens, oui, bon, il y a ceci, il y a cela, je ne suis pas venu à l'église, et les excuses se multiplient, et le diable en profite. On multiplie les excuses pour ne pas venir à l'église, mais le diable aussi en profite. Ce qui est sûr, et ce que, en tout cas, beaucoup d'entre nous pouvons rendre comme témoignage, c'est que les gens qui ont fait de la maison de Dieu, de l'église, vraiment une priorité dans leur vie, ont toujours été assistés, bénis, et on ne sait pas pourquoi ils sont bénis, mais le secret se trouve dans leur consécration à la maison de Dieu. L'élément temple est très important. Ne venez pas à l'église parce que il vous reste quelques minutes là, on va passer à l'église. Non. On vient à l'église parce qu'on a réservé le dimanche là ou autre temps dans la semaine pour nous retrouver dans la présence de Dieu, pour écouter la parole de Dieu, pour entendre Dieu nous parler. Un qui dit Dieu ne me parle pas, mais tu ne te mets pas dans une condition où Dieu peut te parler. Ce n'est pas une fois en passant là que Dieu va te parler. C'est dans la régularité. Comme nous l'avons dit ici, nous ne sommes pas dans la logique de l'arbre qui tombe, c'est-à-dire le bruit qui se fait de temps en temps, mais nous sommes dans la logique de l'herbe qui pousse, une certaine régularité. Et c'est là que se constitue le solide et le durable. L'élément temple. Bientôt, nous allons monter un grand chantier. Nous voulons construire le temple de Dieu. Quelle est notre appréciation? Dans Agé, Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous habitez des belles maisons, des maisons cousues, et vous laissez en débris le temple de l'Éternel. Au point que quand quelqu'un rentre, il se demande si vraiment c'est le même Dieu dont il est question. Nous ne voulons pas faire de n'importe quoi. Nous voulons un temple qui reflète la grandeur de notre Dieu. Amen. Parce qu'un jour, il y a un homme, un pasteur qui nous a rendu ce témoignage. Il était dans un village, il a prêché, il y a un qui s'est converti, c'est un notable du village qui s'est converti. Et puis après,
Quelque temps après, il ne venait plus à l'église. Et le gars lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je ne me reconnais pas dans votre église. C'est-à-dire, il y a une différence entre le lieu qui représente votre Dieu et votre Dieu. Vous parlez d'un Dieu riche, vous parlez d'un Dieu grand, vous parlez d'un Dieu puissant. Vous dites que l'argent et l'or appartiennent à votre Dieu. Et vous êtes dans un temple misérable. Et vraiment, quand on entre, on n'a pas envie de s'asseoir, tellement il y a poussière partout. Comment est-ce que je peux croire en ce Dieu-là? Quelque temps après, le pasteur a été parlé aux responsables. On a construit un très joli temple où il fait bon entrer et adorer. Amen. Amen. Parce que quand nous apprécions la maison de Dieu, c'est en même temps une appréciation pour le Dieu en qui nous avons cru. L'élément temple. Ensuite, il y a l'élément témoignage. Il ne cessait d'annoncer Jésus-Christ. Il ne cessait d'annoncer Jésus-Christ. Le témoignage. Il y a un militaire qui était parti en mission. Et en partant, son pasteur lui a dit, « Bon, écoute, tu seras persécuté parce que tu es chrétien, mais il faut rendre témoignage. » Et lui arrivé, pour échapper à la persécution, il a mis sa Bible au fond de sa valise et il n'a jamais dit à qui que ce soit il est chrétien. Donc au retour, le pasteur lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, pasteur, tout s'est très bien passé. Personne ne m'a embêté parce que personne n'a su que j'étais chrétien. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour que nous vivions une vie tranquille. Non. Si c'était pour qu'on vive une vie tranquille, dès lors qu'on est sauvé, on serait enlevé immédiatement. Mais c'est pour que nous soyons témoins. La martyria. Et dans le mot martyr, il y a témoignage, mais il y a aussi martyr. C'est-à-dire témoigner jusqu'à perdre sa vie si besoin en est. C'est dans le témoignage que vous allez connaître la puissance de Dieu. Amen. J'ai un voisin qui m'a rendu ce témoignage-là. Il dit qu'une fois, son électricien l'a appelé. Il n'était pas chrétien. Il dit, monsieur, est-ce que vous pouvez appeler votre pasteur? Et lui savait qu'à cette heure-ci-là, s'il appelait le pasteur, il n'allait pas venir. Il a dit, d'accord, je viens. Il est parti. Et la femme était vraiment sur le point de mourir, au point que les voisins s'étaient rassemblés pour assister au départ de cette femme-là. Il est arrivé, il a demandé simplement à la femme, est-ce que tu crois que Dieu peut te sauver? Et Dieu peut te guérir? Elle a dit oui. Il a dit, bon d'accord, nous allons prier. Il a fait sortir tout ce qui était là. Et ils ont prié. Prié, prié. Il a prié parce que bon, la femme ne savait pas prier, ni le mari. Il a prié. Et à un moment donné, il a dit à la femme, tu es guérie au nom de Jésus. Et quand il a dit ça, la femme qui ne pouvait pas se lever, s'est levée. La femme qui n'avait pas mangé depuis un certain temps, a réclamé à manger. Et on lui a donné à manger. Et elle qui ne pouvait pas se déplacer, elle a marché jusqu'à la porte, elle est revenue, elle sautillait. Et ceux qui étaient venus hypocritement, c'est là, ils se disent, ah, comme c'est comme ça, un panache, regarde, dans l'ordre. Comme si on n'était pas venu pour l'assister. Ah, un panache, regarde, dans l'ordre. Et ils sont partis. Et ça a été l'occasion pour que cet homme et sa femme se convertissent et que d'autres personnes qui étaient là aussi et qui ont vu se convertissent. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Parlez de Jésus. Amen. Parlez de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Et à l'occasion, ils vont vous demander si votre Jésus-là est vrai. Alors, j'ai tel problème. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Et vous allez prier. Vous allez voir
que Dieu exauce. Dans le mandat qui nous a été confié, il est dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Non pas tous ceux qui seront pasteurs, mais tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils guériront les malades, etc., etc. C'est pour nous tous. Cette puissance-là a été donnée à tous les enfants de Dieu. Il y a un dépôt. Dès lors que nous avons cru au Seigneur Jésus, il y a un dépôt de cette puissance en nous. Il nous appartient de l'utiliser. Parlez de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ parlera de vous. Amen. 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 Témoignez de Jésus-Christ et Jésus-Christ témoignera de vous. L'élément, le dernier élément, c'est le tableau. Le tableau que nous avons du Seigneur Jésus-Christ. Ces gens-là ne cessaient de travailler parce qu'ils avaient un tableau, ils avaient devant eux la vision d'un Jésus-Christ. Non pas le Jésus-Christ, ce qui était avec eux, non pas le Jésus-Christ crucifié, mais le Jésus-Christ élevé et le Jésus-Christ enlevé. Et surtout le Jésus-Christ qui a promis « Je reviens bientôt. » Je reviens bientôt. On a remarqué que chaque fois que l'Église a mis l'accent sur le retour de Jésus-Christ, il y a eu un réveil. Mais chaque fois que l'Église s'est endormie, elle ne parle plus du retour de Jésus-Christ. Non, on vit comme si Jésus ne devait pas venir d'un instant à l'autre. Quel est le tableau que tu as du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que c'est quelqu'un qui va peut-être venir? Est-ce que c'est quelqu'un qui a promis, comme du temps de Pierre, les gens se moquaient en disant, bon voilà, et depuis longtemps, depuis la promesse là, ne se réalise pas, est-ce qu'il va venir? Et ils se moquaient. Nous pouvons nous moquer aussi d'une autre façon, en ne croyant pas, ou en tout cas en ne posant pas des actes qui nous prouvent que nous sommes des pèlerins sur cette terre et que nous tendons vers la cité céleste et que bientôt celui qui va venir viendra et le juste vivra par la foi. Quel est le tableau que nous avons de Jésus-Christ? Est-ce que nous avons ce tableau de Jésus-Christ qui est le maître de nos vies? Mais le maître de la moisson, le Jésus-Christ qui est le Seigneur, qui nous envoie en mission, le Jésus-Christ qui est là, qui nous observe jour après jour, pour voir si effectivement nous exécutons la mission qu'il nous a confiée. Nous vivons selon le modèle, le mode de vie. Quel est le tableau que nous avons de Jésus-Christ? Cela nous fera grandir dans la foi. Comme Luther l'avait dit à des jeunes, en parlant de la parole de Dieu, il leur a présenté la parole de Dieu en disant, cette parole vous éloignera du péché, le péché vous éloignera de cette parole. Le tableau que nous avons de Jésus-Christ nous éloignera du péché, mais le péché aussi nous éloignera du tableau que nous pouvons avoir de Jésus-Christ. On dit que pendant la guerre du Vietnam, il y a un jeune soldat. Quand il partait en guerre, sa femme était en grossesse de leur premier bébé. Et entre-temps, la femme a accouché, on lui a envoyé la photo de son enfant, son premier né. Et puis, il a été fait prisonnier. Et dans sa prison, quand ça n'allait pas, il sortait la photo et il disait, il faut que je vive pour voir mon enfant. Il faut que je vive pour voir mon enfant. Et un jour, un des gardiens de la prison a vu la photo, il a pris la photo, il l'a brûlée. Et le soldat dit que quand il a brûlé la photo, c'est comme s'il avait brûlé l'image de l'enfant dans sa tête à lui.
L'image de l'enfant, du tableau de l'enfant était collée à sa mémoire, dans sa tête. Et il se disait, je n'ai vu que la photo, maintenant je n'ai plus la photo, il faut que je vive pour voir mon enfant. Et c'est cette volonté de vivre là qui l'a sauvé pendant que les autres sont morts dans la torture. La volonté de vivre, la volonté de résister parce qu'on a un objectif. C'est ça qui lui a permis de surmonter toutes les difficultés. Amen. Amen. Quel est le tableau que nous avons de Jésus-Christ? Est-ce que c'est un tableau vivant, puissant, qui nous permettra de résister à tout vent, et de tenir ferme jusqu'à ce que nous puissions voir Jésus? Car la Bible nous dit que tel qu'il est, tel nous le verrons. Amen. Amen. Tel qu'il est, tel nous le verrons. Aujourd'hui, nous faisons des images. Mais quand la trompette sonnera, et quand les anges reviendront, alors nous serons enlevés dans les airs pour rencontrer notre époux. Et celui que nous n'avons pas connu, nous le connaîtrons face à face. Amen. 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 Si tel est notre désir, cela nous fera éliminer les choses secondaires pour retenir l'essentiel, afin que nous puissions croître à son image. Parce qu'il n'y a que ceux qui seront à son image qui seront enlevés. Et nous voulons être enlevés. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que réellement, de jour en jour, nous puissions chercher à nous nourrir des éléments qui nous feront croître dans la connaissance de notre Dieu. Amen. Amen. Amen.